bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2. Bien évidemment, nous en sommes à l'épisode 12 et le online est sorti, ça y est. Mais peu importe, cela ne nous intéresse pas pour le moment étant donné qu'on se concentre entièrement sur le solo étant donné que nous sommes en let's play. Bref, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Prévoyez de quoi boire et manger, c'est toujours très agréable. Et pour tous ceux qui chouinent parce que la vidéo ne fait que 30 minutes, vous me faites bien rire. Arrêtez très vite, voilà, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Juste arrêtez très vite, je pense que ça devrait suffire, d'accord? Allez, on y va, on va parler à John parce que souvenez-vous, on avait un truc très intéressant à faire. C'était mettre un réservoir, voilà, de pétrole sur des rails pour arrêter un train. On va voir comment ça va se passer, même si je sens que ça risque de partir très très vite en cacahuète. L'essence de la richesse. I think we need another man. Charles, I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See, Arthur? Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Très bien. Pendant qu'il va le chercher, nous allons faire une nouvelle quête, étant donné qu'on ne peut pas la continuer pour l'instant, celle de John. On n'a réuni que la moitié des conditions nécessaires pour faire ce braquage de train. En attendant, on a une demoiselle, Roberts, qui aimerait nous parler. Donc, on va évidemment lui parler. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Ok, on va faire la nounou, le temps d'un épisode et surtout le temps que John se ramène avec notre collègue. Allez voir Jack. Bon, qu'est-ce qu'il a Jack? D'où il n'est pas dans son assiette? Ah, il veut peut-être qu'on aille chasser, dis donc. Ça pourrait être sympa. J'ai ramené une antilope en très bon état au camp. Donc, niveau nourriture, on est clairement au top du top. Est-ce que je contribue un petit peu? Non, non, je vais pas contribuer parce que je ne peux pas tout simplement, étant donné que nous sommes en mission. Je n'ai pas le choix que d'aller voir Jack. Bref, j'ai nourri le camp. Normalement, ça devrait le faire. Un petit ragoût, peut-être, hein. Oh! Peut-être un peu trop tard. Dommage. Qu'est-ce que tu fais? What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You want to come fishing with me? Fishing? Sure. You're... It's about time that you started to earn your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Oh, c'est tellement mignon! Montez sur votre cheval, on va aller chasser. Ça, c'est cool. Putain, j'aurais bien pris un petit ragoût. Au retour de la pêche, on va pêcher. Pas chasser, excusez-moi du peu. On va pêcher. Allez, montez avec moi, mon petit frérot. Hop. Et comme ça, on va faire le tuto pêche. Et on aura, je pense, fait chasse, pêche et tutti quanti. On sera plutôt très très bien. Monte devant. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le premier enfant qu'on voit dans un GTA. You shouldn't go too far from camp. Oh, okay. Feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Well, your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. Been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. All right. This looks as good a spot as any. Allez, on va descendre par ici pour pêcher. Donc comme je vous disais, premier enfant qu'on voit,
dans une série GTA. Évidemment, il apparaît que en mission, sinon vous risquez de lui faire des dingueries, n'est-ce pas? Ok. Ah. On va peut-être. Allez, viens, mon frère. Maintenez L1, allez dans la roue des objets, prenez votre canne à pêche. Allez, viens, fils. Bon, t'es pas vraiment mon fils, quoique on sait jamais. Ok. Maintenant, on va se mettre un appât, on va se mettre un petit morceau de fromage. Eh les gars, un peu démental, ça attire les poissons. Le fromage, il a pas idéal pour pêcher le crappé harlequin et le crappé de roche. On trouve ces poissons un peu partout. Très bien. Ok. Maintenez L2, c'est fait, mon frérot. Retourner au coin pêche. Voilà. Ah d'accord, ça marchait pas, c'était très bizarre. Ok, vous ne pouvez pas lancer ici, un obstacle vous gêne. Pardon? Ah, c'est bugué. Mais pardon? D'accord, ok, c'était bugué, fallait avancer. Allez, fais comme moi. Like that? That's it, good. Ok. What we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. Dès qu'on sent une traction, on appuie sur R2. If you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. Ça a pas l'air ouf, hein. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait. So yank hard to hook it. Pour l'instant, je sens mes couilles, hein. Ok, j'ai. Fish on the line. I see, I see. Ok. Faites rapidement pivoter R. Pour remonter le poisson lorsqu'il est fatigué. Très très bien. J'ai du mal à le voir. Ok. Allez! C'est bon ça! Gardez ou remettre à l'eau? Chère mère des huileuses. Ça se déguste. Hop, on garde. Bah les couilles. Hein. C'est la survie, frère. Ok, bon. Can I take a break from fishing? I want to make something. On remet un autre appât. Okay. Allez, hein. Dépêche-toi de me faire un truc. Et je sais qu'il me gêne, mais putain, casse-toi, gamin. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Let's try again. Quoi? Les poissons attirés par l'appât le grignoteront avant de mordre à l'hameçon. Ok. Ok, attendez parce que là il s'est barré. Il s'est barré. On va le choper celui-ci. Oh, pas mal! Deux types de poissons! Ça c'est cool! Allez hop, on garde. C'est bon. J'ai eu les deux types possibles. C'est plutôt cool. Il est parti où là? Il est parti où celui-ci? Non, mais stop, c'est bon, on va pas passer notre vie à pêcher, les gars. Ah si, d'accord, j'ai pas trop le choix. Très bien. Bon bah c'est pas grave, hein. On va encore pêcher, les gars. On va encore pêcher. You gotta stick at things, Jack. I know. Fishing sure is boring, Uncle Arthur. I know. Boring as hell. Ah, la pêche, c'est jamais ouf, hein. Je suis d'accord qu'on s'ennuie un peu. Something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit and wait. And try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Huh. All right. Let's see what's biting there. Okay. There we go. Aucun problème. Aucun problème, il est ridicule. Il est ridicule. C'est une sardine ou quoi là? Oh! Merde! Hop, je garde, j'en ai rien à foutre. C'est bon là, hein? J'ai plus d'appât, hein? Trois poissons, c'est pas mal, hein? Hey, look at this! And what? This necklace I made. Necklace? For mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan, Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case.
orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton, Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. It's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Who are they? No one to worry about, no one at all. Come on, let's pick up your things and get home. Aïe, 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 cinématique super intéressante. You might be worried, let's head back. Je suis déjà tellement attaché par Arthur Morgan quand il s'énervait, tu vois, ça m'a... Ah, ça m'a fait chier, tu vois. Il faisait trop les cow-boys, là, les deux envoyés de l'État. C'était terrible, j'étais à deux doigts de dégainer. Mais bon, il y avait le petit, et forcément, pas de violence. Pourquoi? Bah, parce que c'est les vacances pour le petit, évidemment. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because... Well, because those are disagreeable men. And I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Well, did you like fishing? It was... okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. En tout cas, c'était super intéressant. Je pensais que c'était une simple partie de pêche, mais honnêtement, j'ai bien kiffé tout ce qui s'est passé. Ça commence à partir there en couille. You are. Ça fait moitié plaisir et moitié j'ai des craintes, tu vois. We caught a fish and I made you this necklace. Ain't that pretty? Not the luckiest. Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid.
We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Ok, bon, on va faire un braquage de train, ça me paraît pas mal. En plus, John est de nouveau disponible. Rien à foutre, hein, il m'a dit de me calmer. On va braquer un train, les frères. C'est parti, on va voir où il est, le John. Je vais jamais y arriver avec le menu, c'est terrible. John! Oh, damn. Oh, damn. Ok! John, il est à Dowberry Creek. On va essayer de se TP rapidement, ça devrait le faire, près de l'écurie. Ok, on est bon, il commence à faire nuit. C'est plutôt cool, ça me rassure. Je préfère la nuit, bizarrement. Ah merde, c'est pas dispo. Ah! C'est pas du tout dispo. Ok, bah on va y aller en cheval. Et puis je vais prendre un petit ragoût et on se retrouve là-bas, bien évidemment. A tout de suite tout le monde pour la suite de notre aventure. Allez, on est de retour tout le monde. On est bientôt arrivé au camp où John nous attend. Je sais pas du tout comment va se passer ce braquage. Ça risque de très très mal tourner, mais bon, on doit le faire. C'est pour le bien de tous et peut-être qu'on sortira pas mal de pognon. Ça serait en tout cas extrêmement cool. On va pas se mentir. C'est par ici. Hop, on descend calmement. Ne bouge pas. Oh là, il s'entraîne. C'est bon, j'arrive. Shit. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen! Let's go earn some money. Allez, c'est parti, on va se faire un max de pognon. Direction un petit braquage de train, ça fait bien longtemps. Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but you still give them enough time to spot the oil wagon. Regardez comme c'est beau. Regardez comme le jeu est beau. Franchement, allez me dire que c'est l'est que vous voyez là. You had your feet up the whole time, playing sick, and fondling that new scar, like you're gonna buy a breakfast in the morning. They're left here, towards Rhodes. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. Cause I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing him. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire. And look at me now,
In the gutter, see? Back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, please. Mais toi! Fine. Damn you three. Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. Yeah. Je pense qu'on y est bientôt parce qu'on suit les traces calmement des voies ferrées. Donc ça devrait être dans pas très longtemps. Il parle énormément là, le rouquin. Mr. Marsh, Mr. Smith, Mr. McGuire. Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. That's do or die with you. I like it. Get moving. Here she comes. Ok. On va tout fouiller. J'espère que ça va pas partir en couille. Faut que j'aille où? À gauche, à droite, à gauche. Peu importe, je pense. Ouh, il a pris sa part. Ça prend des petites patates. Ok. C'est parti. Yo. Hop. Ça, c'est dans la tête. Everything you got, money, valuable. Allez, donnez tout, hein. There you go. Let's make this quick. Ça partira en couille. We ain't leaving till this bag's full. Why do this? Please, I'll do anything. I ain't got nothing. Wanna have a little chat with Romeo and Juliet here? I don't want to. What's get the problem here? I'll do anything. So, yeah. Et appuyez sur rond pour le frapper. Très bien. Quelqu'un refuse de tempérer? Hop! Tu refuses de tempérer? Donne-lui Thomas, fais pas le con. Calmez-vous. Total volé $147 par Sartek. Calmez-vous. Lui, il est chelou, lui, hein. Dame! Merde! Ok. Wagon suivant. C'est tellement stylé! Tough guy, huh? You sure about that? Why are you wasting our time? You show this son of a bitch we ain't playing around here. Damn! Come on, partner. Allez, on n'a pas le temps là, les gars. Everything you got. Money, valuables. Allez, allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je suis à deux doigts de bouillir. Let me hand you over to my friend. Damn! Et mets un like à cette vidéo. Voilà. Là t'es raisonnable. Petit. Voilà. File un peu les lovés là. Donne toi aussi. Voilà. Je dévalise, hein. Bats les couilles, frère, hein. Donnez les petits dollars qui traînent, hein. Y'a pas de petites économies, hein. Donne tes petits dollars, toi. Ok. For Christ's sake, you ain't even taking a look yet. Ok. Il a pas regardé dans quoi? Un coffre? D'où Jésus? J'arrive. J'arrive. Compétence sans froid débloquée. Vous pouvez désormais. J'ai sauvé la vie, hein. C'est pour moi. C'est cadeau, hein. Quoi? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. J'ai
J'ai nettoyé ou pas? On va peut-être fouiller? This time I'll look and you provide the cover. Try me best, brother. Ok. I'm seeing double here. Oh putain. That gives you twice a chance of hitting someone. Very funny. Arthur, we've got a problem. There's two assholes on horses. How many you say? No! I just see a pair of them. J'ai pas fouillé! We're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only no, two merde! Fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. Eh? There's a few more of them turning up. Me and my big mouth. Okay, let's deal with them. What? Oh shit, we got one. Hop, deuxième balle. Troisième balle. Normalement, je suis pas localisé. Ils savent pas qui je suis. Ok. Ok. Oh, il y en a beaucoup là. Ok. Ok. C'est bon. Non, je... Mes couilles sur votre front, les gars. Moi, je veux fouiller, hein. Non, je veux fouiller, hein. On n'a rien fouillé, les frères, hein. Allez, bijoux mon pote, hein. Je prends tout. J'arrive. Je suis désolé, mon frérot. Mais là, une pince à billets, je prends. C'est bon, on est large. Enfin, normalement, on est large. Ok. Il y a un truc de qualité. Allez, je ne peux pas. Je sais pas pourquoi, et ça c'est un gros défaut. Ah d'accord, je suis passé en vue FPS. Allez, s'il te plaît, ça c'est un très gros défaut. Ok, il veut plus de faire. Bon, je sais, c'est un bug. Il l'a pris, tu peux le prendre ou pas? Mais, oh c'est un bug. Oh d'accord, oh non mais putain, et ça arrive qu'à moi, hein. Même sur Red Dead, j'arrive à te choper des bugs, mon frère. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. C'est pas mal. Ok. Ça c'est un pote. C'est bon. Allez mon cheval, s'il te plaît. Il s'en va. Ok. Mais je vais où là? Je vais où? Il faut les semer, peu importe. Très bien, go. On se casse. Échapper aux autorités en sortant de la zone. Pas de soucis. Putain, on a eu très très chaud quand même. On a eu très 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 chaud. C'est bon, on est bientôt en dehors de la zone. Pas trop de danger. Oh, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir fouiller, c'était terrible. Je crois qu'il parlait de ça. Il me semble qu'il parlait de ça. Juste parce que j'ai fait un mètre en arrière, c'était dingue. Les représentants de la loi vous ont perdu de vue. Continuez à leur échapper jusqu'à ce qu'ils arrêtent de vous chercher. Et pour le... Waouh! Et en fait, j'ai eu un bug, c'est que j'étais totalement bloqué sur le truc de qualité, là, mes couilles. Et c'était impossible à ramasser, c'était terrible. Ok, bon, on va passer par ici, hein. On va insister. Ça y est! C'est fait, mon gars! Whoa! That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe.
They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Butin total, $1,800! Une clé, votre part, $200. C'est énorme. Et ça me fait kiffer de ouf, putain. Waouh! Mission complete. On va pas la rejouer. Ah, quoique. Non. On va pas la refaire. N'abusons pas des bonnes choses. De toute façon, on se fera pas plus d'argent. On rentre au camp. Et après, on ira faire la mission de Mika. Par contre, j'ai une prime. Je pense que je vais payer ma prime. Je pense clairement que je vais payer ma prime. Et ouais. Non. Faut que je me débarrasse de cette prime de merde. Elle me suit depuis bien trop longtemps. Et c'est assez terrible. Attaquer un train peut vous rapporter gros. Montez à bord lorsqu'il est à l'arrêt. Ou s'il est en marche, sautez depuis votre cheval. Oh. Ok, on va peut-être pas abuser des bonnes choses, d'accord. Il vient juste de sortir d'un braco. Ok, c'est pas mal. Bon, on en est où là? Récompense du clan, tout ça. Dites-moi un petit peu, un petit résumé. Et après, est-ce que je vous récompense et on va se faire Mika? Est-ce que vous méritez? Je sais pas, parce que il y en a certains qui m'ont cassé les couilles, on va pas se mentir, qui se plaignent que ça fait que 30 minutes. Je vous cache pas que, tu vois, ça a tendance à me frictionner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, déjà, on va déposer combien? On va déposer $100, ça me paraît pas mal. Donner de l'argent. On va déposer un petit $100. Non, peut-être un peu moins. Peut-être un petit $80, tu vois. Soyons raisonnables. $80, ça me paraît... Allez, 85. Allez. Voilà, ça sera pour plus tard. Il me restera $40 pour des fringues. $140 pour effacer ma dette. Est-ce que ça vaut le coup qu'on aille à un bureau effacer notre dette? Bureau de poste. Non, c'est bureau de shérif, je crois. Allez, on va faire la mission. On va dire que vous méritez, n'est-ce pas? On va voir ce que Mika nous veut. Je vous dis à tout de suite devant notre objectif. Ok. Bon, je vais me débarrasser de la prime parce que là, ça pue. Ça pue grave, comme on dit. C'est parti. Voilà, pour pas être reconnu. Ok. Ah, il me demande pourquoi j'ai caché mon visage. Allez, ça te regarde pas, la prochaine fois c'est une balle. On va payer notre prime. Yo. Ok. Frérot. Ah, d'accord, je dois retirer le masque. Ok. Allez, on paye la prime. Oh, d'accord, tout payé. Non, on va payer celle-ci, c'est déjà pas mal. Et ben voilà, on est plus recherché, c'est beau ça les gars. C'est beau. Tiens, est-ce que tu peux pas, non, recevoir du courrier? Non, il n'y a pas. Normalement, en affichant la map, on peut voyager maintenant. Oui, on peut voyager maintenant tranquille. Il est temps d'aller voir Mika. J'ai plus de crainte à avoir et ça, c'est cool. On va récupérer notre magnifique cursant et on va voir Mika. On se retrouve pile poil devant lui. A tout de suite. Nous voici arrivés sur la mission de Mika. Donc, c'est parti. T'es où, Mika? T'es sûrement en bas. Peut-être descendre du cheval, non? Je sais pas. Sent pas bon cette connerie encore, hein. Ça va, il est juste ici. Oh, c'est son campement. Très sympa. C'est très cozy, tu vois ce que je veux dire? Ok. Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job or... Like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow. Lose your head. Yellow?
Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Ah, encore un braco? C'est bon, ça? Ça fait du pognon, mon pote? J'ai peur. J'ai très très peur. Camping out here like some crazy hermit. Can't exactly stay in town now, can I? And like I told you, I ain't going back to Dodge without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an O'Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, O'Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch. C'est à cause de lui que j'ai une prime de $145, merde! How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Oh, you know how it is? Few loose ends, drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I've seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Ça sent pas bon, les gars. Un plan proposé par Mika, je vous le dis, ça sent clairement pas bon. On va voir jusqu'où... est-ce qu'on peut voir jusqu'où il va nous mener? Oh, non, ça va, je suis rassuré. Il nous amène au nord, on n'y a encore jamais été. Je suis plutôt rassuré, c'est cool. On va lui faire confiance. Et comme ça, on dévoile encore une partie de la carte. Clairement, cet épisode, Warcy 2. Donc, on va devoir attaquer une diligence de la banque qui plus est. J'ai peur. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ok, ok. Ok, j'ai le visage caché normalement. Tout va bien. J'ai peur. On va prendre ça. On va prendre ça. Ok, niveau précision. Niveau précision, on aura vu mieux. Quoi? Il a pas tiré. Oh, lui il a pris sa part. Ok, il a pris sa part. Il a pris sa part. Et lui, il a pris sa part aussi. C'est pour moi. Allez, go! Oh, damn! C'est bon. Ok, il conduit, ça sent pas bon, ça. No need to keep your face covered now. It's just you and me, sweetheart. Ok, c'est une diligence de banque qui a intérêt que ça ramène de ouf. Allez, go! Vas-y, conduis, mon frérot. Come on, boy! Et ben voilà, normalement on est tranquille.
Je garde le visage couvert au cas où. Hein. Oh, nouveau fusil. C'est bon ça. Bah voilà mon gars, carabine, Lancaster, ça c'est pas mal. Ok. Par contre, deux cartouches. You don't want to just break it open here, be done with it? Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. Mikaï, il est trop chelou, vraiment. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon. Ah, il va impressionner Dutch, très bien. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen. I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're a lot alike, you and me. Now, hold up there. Dutch knows I'm a feller that gets things done. Shit! Now we're being robbed! Get across the river! Ah! Maintenant, on se fait braquer à notre tour. Très bien! What the hell? Come on, Arthur, get out of there! Okay. Dumb bastards! Damn! Et l'autre? I think so. Okay. Okay. Ça c'est fait. C'est le O'Driscoll qui nous attaque. Ça c'est fait. Oh damn! Ok. Elle est redoutable cette arme, elle est redoutable! Headshot! Putain! Pardon! Every job I do with you ends in a pile of dead bodies. Since when did you have a problem killing O'Driscoll's? You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. You know. We should really pick up a lock breaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. That should do it. Allez, ouvre-moi ça. Come on, let's see if all this was worth it. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. On s'est régalé, butin total. 600 balles. Votre part, 300. Incroyable. Mais alors c'est quoi? Pourquoi les 600 dollars sont écrits en or sur un butin total de 1002? Expliquez-moi un peu là. Ah, témoin. Enquête en cours. Moi j'ai rien vu. Clairement j'ai rien vu. Ok, les témoins ils disent bah c'est un meurtre. Forcément, mais oui c'est clair. On va s'éloigner calmement. On a une chasse par ici, proposée par Charles. Et... prochain épisode, mes amis. Bah non, on peut pas y aller encore au prochain épisode tant qu'on a des témoins. Et ça, c'est terrible. Un témoin qui n'a cependant pas vu le criminel est représenté par un œil rouge foncé. Il ira en parler aux autorités qui viendront ensuite mener l'enquête. Crime signalé. Très bien. Pour l'instant, ça va. Rechercher, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils recherchent. Donc je pense être plutôt tranquille en soi. Puis c'est le O'Driscoll, ça va leur apprendre. En tout cas, on va s'arrêter là, écoutez. Moi, je vais rentrer calmement au camp. Je vous fais des bisous.
Oh putain, ils sont juste derrière moi, je crois. Portez-vous bien. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.